أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى في فيديو جديد إن شاء الله aujourd'hui on va voir quelques exercices on va faire quelques exercices domaine bien le موضوع le passé composé le passé composé donc avant de faire les exercices on va faire un petit تذكير un petit rappel donc formation du passé composé هاش كنحصلوا على الباسي كومبوزي auxiliaire être ou avoir au présent زائد le participe passé كنصرف être ou avoir في présent زائد le participe passé auxiliaire à employer فينتا كنستعمل être فينتا كنستعمل avoir être كيستعمل مع les verbes pronominaux se lever se laver se promener je me suis levé je me suis promené le participe كيتبع الفاعل في التأنيت والتذكير والجمع مفرد لي فيرب دو لا ليست سويفونت في هاد اللائحه aller action venir action arriver action partir action retourner action entrer action action état le verbe naître ولida devenir حالة اصبح état mourir توفي tomber سقط وهاد الافعال شي وحدين فيهم الا تبعهم مفعول به avec avoir retourner donc le retourner quoi retourner les pages avec avoir entrer la valise دخلت la valise avec avoir sortir la voiture avec avoir monter la télévision avec avoir descendre le garçon avec avoir passer les vacances avec avoir tomber le stylo avec avoir quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct on emploie l'auxiliaire avoir هادو اللي تبعهم complément d'objet كتصرف مع avoir le participe passé avec avoir ne change pas ملي كنصرف avec avoir ما كيتغيرش le participe passé j'ai mangé tu as mangé mangé ما كتغيرش فين كتغير هي اللي سبق المفعول به lorsque le complément se place avant le verbe ضروري خاصو يتساكوردا féminin masculin singulier pluriel bien on utilise normalement l'auxiliaire avoir pour la plupart des verbes قلنا اغلب الافعال اكثر الافعال الفرنسيه كي تصرف مع avoir le participe passé premier groupe au accent j'ai mangé je suis arrivé j'ai effacé j'ai nettoyé deuxième groupe j'ai fini j'ai réuni j'ai blanchi j'ai choisi troisième groupe je suis venu j'ai répondu il a fallu t j'ai écrit avec t j'ai fait avec t j'ai joint avec t j'ai repeint avec T, S, j'ai pris avec S, j'ai acquis avec S, j'ai mis avec S, ou bien qu'il y a un E accent. Mais c'est pas le verbe naître, je suis né, qu'il y a un E accent. Je suis allé, qu'il y a un E accent. Maintenant, on passe aux exercices. Bien, qu'est-ce qu'on a dit? Na, avec avoir, le participe passé ne change pas. Il ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct. Avec le complément d'objet direct. علاش؟ لأن الفعل أصلا ما عندوش مفعول. أفعال لازمة. Chanter. كنقول j'ai chanté. J'ai voyagé. J'ai dansé. J'ai dormi. J'ai couru. J'ai vomi. J'ai pleuré. J'ai crié. J'ai souri. هادو ما عندوش أصلا مفعول به. يعني ما كنتكلموش على l'accord. حالة ثانية. ملي كيكون المفعول به بعد الفعل. Il ne s'accorde pas. Tu as mangé une pomme. Nous avons mangé une pomme. Vous avez mangé une pomme. Hadik mangé ma ketghayrch lali anna une pomme j'aime ba'd. Daba ghanchoufou el hala fin ta kitghayr. Houa mli kikon el maf'oul kisbaq le verbe. Kandaw bih. Daba ghanchoufou l'exemple. Exemple. Donc, on va voir. Le passé composé. Soual houa place les compléments d'objet direct avant le verbe. Place da el maf'oul bih. قبل الفعل مع avoir الفعل مع avoir انا اعطاك اكزومبل قال لك j'ai pris une douche chaude j'ai pris une douche chaude يعني اخذت حماما ساخنا فين هو الفاعل هو je فين هو الفعل ai pris فين هو المفعول به une douche chaude donc le verbe c'est le verbe prendre c'est le verbe prendre quel groupe troisième, je n'ai pas le participe passé d'y aller ou pris. Hein? J'ai pris, tu as pris. Participe passé, n'a pris. Complément d'objet direct, le fait le B. Mada akhatu. Une douche chaude.
مذكر أو مؤنث c'est un nom féminin singulier هو اسم مذكر مفرد جم بعد sa place جم بعد le verbe j'a après le verbe هنا ما عندي حتى شي تغيير j'ai pris tu as pris vous avez pris Rachid a pris هاد بري ما كتغيرش كتبقى هي هي لأن المفعول جم بعد دابا غنشوفوا المفعول ملي كيجي قبل عندنا طريقتين اما كنقولوا الحمام الذي اخذته كذا وكذا ساخن كان ساخنا هو ساخن مثلا j'ai mangé des gâteaux les gâteaux que j'ai mangés sont délicieux الحلوى التي اكلتها هي لذيذه donc j'ai fait un exercice facile التمرين الذي انجزته هو سهل l'exercice que j'ai fait est facile او كنعوض بضمير اكلت التفاحه اكلتها je mange la pomme je la mange كنعوض بلا الا كان مؤنث je fais l'exercice je le fais كيسبق الفعل انجزته je fais les fautes je les fais ارتكبها دونك قلنا عندنا طريقتين سواء كندير la douche que les gâteaux que l'élève que le garçon que الذي يعني مفعول به او بيان كنقول الا كان لو غارسون نعطيك مثال je vois le garçon je vois le garçon le garçon que je vois est gentil je le vois bien je le vois راهو je le دابا غنشوفو الحل وي la douche que بدينا مفعول واش نديرو la douche que j'ai pris مالها est chaude ou bien était chaude كانت ساخنة la douche que j'ai pris était chaude ou bien chandiro je la ai اخذتها je la ai pris انا عندي مشكلين j'ai deux problèmes la douche هذا مؤنث شغنزيد هنايا ضروري تزيد هاد لان عندك la douche سبق c'est obligatoire c'est obligatoire la douche que j'ai prise نفترض عندك مثلا j'ai pris le manteau مذكر ما غادي تزيد والو هنا le manteau que j'ai pris le taxi que j'ai pris est rouge donc bien مثلا عندك les douches مؤنث جمع مؤنث غادي تزيد واحد s هنا غادي واحد s هنا اما الا كان جمع مذكر ما غادي تزيد s لانه اصلا كينتهي ب s دابا اخذتها je la ai pris نفس الشيء فين هو المفعول سبق ضروري نزيد e je la ai prise واش عندك انا عندي مشكل هنا عندي a اذا التقى ساكنان نحذف ما سبق واش غندير غادي نمسح هاد a وغندير واحد كتسمى apostrophe a apostrophe bien vous avez compris نمشيو للتمرين الثاني مثال ثاني عندك on a écrit 3 lettres intéressantes كتبنا شو واحد كتب ثلاثه الرسائل المهمه فين هو لو سوجي اون فين هو الفيرب ا ايكري avec avoir فين هو المفعول به 3 lettres intéressantes 3 فين جا المفعول به جام بعد جا بعد يعني هاد ايكري ما كتغيرش واخا نغير الفاعل جي ايكري tu as écrit nous avons écrit vous avez écrit ils ont écrit هاد 3 lettres مذكر او مؤنث هذا اسم فيمينا جمع باش غنعوضو غنعوضو بلي دونك كتبتها نديرو الطريقه الاولى واش غنديرو les 3 lettres que j'ai écrites sont intéressantes دونك كتب لكم الجواب les 3 lettres que j'ai écrites sont intéressantes ou la réponse on a écrit 3 lettres انا عوضت اون درت جو ماشي مشكل les 3 lettres qu'on a écrites étaient intéressantes les 3 lettres que j'ai écrites فين هو المشكل هنا المفعول به مؤنث سبق الفعل اش غنزيد هنايا علامه المؤنث هي e وعلامه الجمع هي s ضروري نزيد es الا كان مذكر le texte que j'ai écrit ما كتبدلش on les a écrit فين هو المفعول به هو هذا مؤنث جمع وعلامه المؤنث هي e علامه الجمع هي s ان s اخر مثال tu as commis des erreurs graves ارتكبت اخطاء فادحه دونك فين المفعول به دونك غنبداو غنقول مثلا الاخطاء التي ارتكبتها هي فادحه اش غنقولوا les erreurs que tu as اش غندير هنا les erreurs que tu as commis مؤنث جمع مؤنث
S. Donc, les erreurs que tu as commises sont graves. Les erreurs que tu as commises sont graves. Aou, Shangulu, irtakabtaha. Tu les as commises à la fin S. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, ملكي كل complément قبل ضروري هذا le participe يتبعوا soit le féminin, soit masculin, soit pluriel, soit singulier, hein, singulier. Après, on va passer à d'autres exercices. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir et à la prochaine fois, inshallah.